Aujourd'hui, on va parler un petit peu de mes envies en achat pour ce mois de mars et également d'Ibuy Club. C'est parti! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de mes achats, mes envies d'achat pour le mois de mars. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo parce que c'est des vidéos qui tournent beaucoup et je me suis dit que faire une petite wishlist mois par mois de mes envies, ce serait pas mal. Ça vous donnerait peut-être des idées d'achat aussi. Mais avant toute chose, je vais vous parler d'Ibuy Club parce que pour moi, les achats, les envies d'achat sur internet ou en magasin, bien entendu, sont particulièrement les à Ibuy Club. Alors Ibuy Club, je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps. Ibuy Club, qu'est-ce que c'est? Donc c'est tout simplement un site de cashback où vous allez pouvoir tout simplement gagner de l'argent en dépensant de l'argent. Voilà, c'est un peu magique comme histoire. Je pense que vous connaissez un petit peu le principe. Donc j'ai mes petites notes pour vous en parler, mais je connais très bien Ibuy Club. D'ailleurs, je l'ai également sur mon téléphone. Voilà, comme vous pouvez voir, je l'ai également sur mon téléphone. Ibuy Club, donc, c'est un site qui est totalement gratuit. Vous ne payez rien, l'inscription est totalement gratuite. Vous allez donc pouvoir, grâce à ce site, récolter de l'argent par rapport aux achats que vous pourrez faire. Donc, je vous parle aujourd'hui de ça parce que le site m'a contacté pour vous en parler et également parce que à la base, normalement, quand vous inscrivez sur le site, vous avez 3 euros qui vous sont reversés directement sur votre cagnotte. Voilà, c'est le cadeau d'inscription. Et aujourd'hui, le site m'a proposé de vous faire gagner 5 euros à l'inscription. Donc, ça vaut excessivement le coup. Déjà, à la base, sur votre cagnotte, vous aurez 5 euros à partir du moment où vous inscrivez. Donc, je trouve ça hyper cool. Donc, mon lien de parrainage est en barre d'infos pour celles que ça intéresse. N'hésitez pas à aller cliquer dessus et à vous inscrire. Pourquoi je vous en parle également? Parce que pour toute première inscription, les cashbacks, sur tous les achats que vous allez faire, les cashbacks sont boostés. C'est-à-dire qu'à votre premier achat, par exemple, vous aurez 5% à la Fnac, 5% chez Darty, 8% chez Asos ou 4% chez Sephora, en sachant que Sephora, en général, c'est 2%. Donc, ça vaut excessivement le coup de passer par Ibuy Club parce que, comme je vous disais, par exemple, chez Sephora, pour votre premier achat, vous allez récupérer 4% de 4% de vos dépenses. Donc si vous dépensez 100 euros chez Sephora, vous obtiendrez 4 euros qui vous sont remis sur votre compte Ibuy Club. Et je trouve ça super sympa. Ensuite, Ibuy Club, c'est également une autre chose, c'est également un testeur de code promo. Et ça, franchement, depuis que je connais ça, je ne peux plus m'en passer. À chaque fois que je fais une commande sur internet, à chaque fois, j'active Ibuy Club et je regarde les codes promo qu'il propose. Vous avez un petit générateur qui se met sur la droite de votre écran. Voilà, c'est ça. Je vous mettrai un petit imprimé écran après, enfin une petite vidéo après pour vous expliquer tout ça. Vous avez un petit truc qui se met sur la droite de votre écran. Vous cliquez sur tester les codes et il va tout simplement passer en revue tous les codes possibles inimaginables. Code promo bien entendu, possible inimaginable qu'on retrouve sur internet, et il va vous trouver le code s'il y en a un. Et ça, c'est trop cool parce que ça évite de passer sur tous les sites possibles inimaginables de code promo, de tester soi-même les codes. Et franchement, ça m'a changé la vie et je m'en sers à chaque fois que je fais un achat sur internet. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc comme je vous disais, Ibuy Club, c'est aussi une application mobile, mais c'est également des cashbacks en magasin. C'est-à-dire que si vous allez faire vos courses chez Sephora par exemple, tout simplement, vous allez chez Sephora, vous faites vos achats, et bien vous pouvez, par rapport à l'application ou sur le site internet également, il me semble, vous avez par exemple, attendez, hop, je vais vous montrer mes tickets envoyés. Donc vous avez un petit truc comme ça où vous allez tout simplement envoyer votre ticket de caisse et votre cashback sera remis directement sur le site. Donc je trouve ça hyper cool de pouvoir faire aussi bien des achats sur internet que des achats en magasin. Franchement, moi j'adore, je survalide. Pour vous donner un petit peu une idée, depuis le 16 juillet 2019, j'ai quand même récolté 258 euros. Donc franchement, ça vaut excessivement le coup et ça permet de vous faire des petites cagnottes. Et de temps en temps, bah, vous pouvez demander le paiement de cette cagnotte, soit en chèque cadeau Amazon, soit en virement directement sur votre PayPal, ou je crois qu'il y a un autre truc aussi pour les chèques cadeaux. Enfin, il y a plein de choses pour demander les paiements. Franchement, moi j'en suis fan et je peux que vous conseiller d'aller sur Ibuy Club. Quand vous êtes sur votre PC, il vous suffit tout simplement d'aller cliquer, vous avez une petite bannière qui va se mettre en route, vous cliquez dessus, ça va se mettre en place et le cashback se fera automatiquement. Moi c'est un truc que je ne peux plus me passer maintenant, je m'en sers tout le temps. Je vous laisse tout de suite avec la petite démo et on se retrouve après. Donc voilà, par exemple, je vous montre un exemple. Là vous avez la barre cashback de Ibuy Club. Donc vous voyez que mon cashback est activé tout simplement parce que j'ai cliqué dessus. Vous avez 2 euros remboursés.
Il y a 12 bons plans, donc vous voyez, vous pouvez voir les bons plans pour les codes promo. Donc réduction de moins 25% avec ce code, vous avez réduction de 20% avec ce code. Vous avez vraiment tous les bons plans qu'ils puissent avoir sur Sephora en ce moment. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Et après, bah, vous faites tout simplement vos achats. Par exemple, je ne sais pas, je vais mettre, par exemple, hop, celle-ci. On va cliquer sur ça et on va la mettre au panier pour vous faire un petit test. Voilà. Donc voilà, tac, 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 la palette. Et là, vous voyez, vous avez testé les codes disponibles. Donc, vous allez cliquer dessus, hop, et vous le laissez faire sa vie. Et s'il y a un code disponible, vous avez déjà réalisé une économie de 15 euros. Donc ça, ça vaut le coup. S'il y a des codes disponibles, ben, il va tout simplement tous les scanner. Et s'il y en a des disponibles, ben, il vous les met en place, tout simplement. Donc, ça vous fait gagner énormément de temps. Hop, voilà, il me dit que j'ai économisé 15 euros en utilisant la commande et je vais également économiser 2% grâce au cashback. Je fais terminer mon achat et là, normalement, vous voyez, il a mis le code MARS49B et c'est bien appliqué. Donc, ma palette qui était à 60 euros passe à 45. Donc, voilà, faut pas hésiter à faire ça parce que franchement, ça vaut excessivement le coup. Et sinon, quand vous êtes sur le site eBuy Club, vous voyez, vous avez tous les magasins possibles et inimaginables. Par exemple, on va mettre culture et loisirs. Vous avez, voilà, ces discounts, vous avez 5% de remboursé au lieu de 2 en ce moment. Vous voyez, et vous cliquez, si vous voulez aller sur le site, la Fnac, Darty, si vous voulez aller sur le site, vous allez cliquer sur « Je profite de mon cashback ». Voilà, hop, « Je profite du remboursement ». Tac, puisque l'autre, c'est Fnac Spectacle. Et là, vous voyez, il va activer directement votre... votre compte eBuy Club en fait. Voilà, donc vous avez vu un petit peu la démo, c'est hyper simple d'utilisation, je peux que vous conseiller d'y aller. J'espère en tout cas que ça vous plaira autant qu'à moi parce que je ne peux plus m'en passer comme je vous disais. Sinon, on passe à la wishlist. Alors, quelques petites choses qui me font envie pour le mois de mars. J'ai tout noté sur mon petit cornet. Donc on va commencer par la beauté. Il y a la nouveauté de chez Chanel, le volume stretch de Chanel. Vous savez que je suis une inconditionnelle du volume révolution de chez Chanel. Je l'adore, plus que le volume d'ailleurs. Le volume révolution de chez Chanel, d'ailleurs j'en ai recommandé un ce matin parce que le mien commence à faire des pâtés assez frités. Et j'ai vu dans le dernier catalogue Sephora qu'ils avaient sorti le volume stretch de chez Chanel. Donc ce mascara, je ne l'ai pas encore vu sur le site de Sephora malgré qu'il soit passé dans le catalogue. Par contre, je l'ai vu sur le site de la marque, il est à 35 euros. Mais franchement, les mascaras Chanel, c'est un investissement à la base. Mais j'ai pas encore trouvé un mascara en magasin qui puisse le remplacer. Donc franchement, le volume stretch, j'ai trop envie de l'essayer parce que je trouve que les autres sont tellement bien que celui-ci ne peut être que bien. Voilà. Ensuite, il y a un autre truc qui m'a fait très envie, c'est le kit 7 jours de Makeup Eraser. Donc ce sont les serviettes un peu, vous savez, démaquillantes réutilisables, donc lavables. Mais ceci de chez Makeup Eraser, et je trouve ça bien d'en avoir 7. Donc c'est un lot de 7, de 7 couleurs différentes. Et je trouve que pour le prix, c'est pas excessivement cher par rapport à ce qu'on peut trouver. Et je trouve ça vachement sympa, quand je me démaquille beaucoup à l'huile en hiver, ben, j'utilise énormément de petits trucs lavables comme ça. Et je trouve ça plutôt sympa. Et ça, c'est au prix de 19,90€. Ensuite, une autre chose qui me fait énormément envie depuis quelques temps, c'est le rouge édition collector de chez Givenchy, particulièrement la teinte 01 Sparkling Pony. Alors déjà, je vais vous avouer la totalité des choses, c'est que je vais vous mettre la photo. Voilà, je craque totalement sur l'étui de ce rouge à lèvres et sur le côté pailleté à mort du raisin. Je trouve que la couleur de ce rouge à lèvres est juste magnifique, mais également le tube du rouge à lèvres, quoi. C'est juste un bijou, c'est un collector comme ils le disent. Celui-ci est au prix de 39,90€, donc oui, les rouges à lèvres Givenchy, c'est un prix, mais en général, ils sont plutôt pas mal. Donc voilà, peut-être que je me ferai ce petit plaisir ce mois-ci. Ensuite, on va passer un petit peu sur les accessoires. Et pour ce mois-ci, il y a trois envies. J'ai trois envies. J'ai très envie de baskets argentées. Oui, de baskets argentées, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de baskets argentées complètement. Et j'ai totalement craqué sur un modèle de la marque Le Temps des Cerises. C'est les baskets argentées, tout simplement, de Le Temps des Cerises City Argentées. Voilà, c'est ça. Les baskets City Argentées Le Temps des Cerises, elles sont à 58,90€. Photo. Voilà, elles sont vraiment trop belles, je trouve qu'avec un look tout noir ça peut passer nickel, avec un petit jean, un petit pull gris ça peut être super joli aussi, donc celle-ci, peut-être que je vais craquer ce mois-ci.
Et la deuxième paire de baskets qui me fait énormément craquer, oui, alors les baskets City argentées sont argentées, et un autre modèle qui me fait énormément craquer aussi, et celui-ci c'est chez Eram. Donc comme vous l'avez vu, ce sont des baskets blanches avec des petits détails dorés que je trouve très jolis. Les œillets dorés comme ça, je trouve ça super sympa quand vous avez des bijoux dorés ou tout ça, ça rappelle un petit peu, je trouve que c'est super joli. Elles sont un petit peu moins chères que les le temps des cerises puisqu'elles sont à 39,90€ et franchement je les trouve hyper sympas, je trouve qu'elles ont un petit côté cool. Pareil, j'aime bien mettre ça avec un petit look noir ou avec un petit jean, enfin voilà, pour un petit look à la cool. Et même ce style de basket l'été avec des petites robes, je trouve ça très sympa. Donc voilà, c'était mon envie basket pour le mois de mars. Pour finir avec les accessoires pour le mois de mars, j'ai très envie de créole, mais de créole, vous savez que je porte très 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 souvent ces créoles-ci que j'avais eu chez elles viennent de où celles-ci déjà? Claire's, voilà, celles-ci viennent de chez Claire's pour celles que ça intéresse, donc elles sont vraiment très jolies, j'aime beaucoup leur taille en fait, la taille, la grosseur de l'anneau et tout, j'adore ça. Je les ai en doré en argenté parce que je les ai trouvées tellement bien que j'ai pris les deux couleurs, mais ce que j'aimerais trouver c'est la même chose mais en argent et en or, voilà. Alors ça c'est un petit peu compliqué, j'ai déjà cherché un petit peu mais ça vaut... Faut dire que vu la taille des créoles et vu la taille de la créole, ça en or ça vaut une blinde. Ou alors plaqué or, vous voyez. Mais en argent ou en plaqué or, j'aimerais beaucoup trouver ça. J'ai fait pas mal de bijouterie avec ma maman la dernière fois, on est allé se promener. Et au final, je trouve pas, je trouve la même taille mais pas la même grosseur de créole. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de celle-ci. Enfin vous les voyez souvent à mes oreilles si vous me suivez. Je trouve des grandes créoles mais pas ce style de créole. Donc si vous savez où je peux trouver ce style de créole, cette taille là et tout, en argent et en plaqué or. Ouais parce qu'en or ça va être un peu compliqué. En argent et en plaqué or je suis preneuse parce que franchement je les adore et j'aimerais bien les avoir en qualité un petit peu plus supérieure. Parce que là je sais pas si vous allez voir mais sur mes argentés j'ai le petit côté argenté commence à s'en aller. Et j'aimerais bien les avoir et pouvoir les garder pendant des années parce que j'adore ce style de créole. Vous voyez j'en ai encore là aux oreilles. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et pour finir avec mes envies de ce mois de mars, je voudrais énormément un cactus coussin de belle-mère. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est un espèce de gros cactus qui fait une forme de coussin, je vais vous mettre une photo. Donc voilà, moi j'en ai un tout petit qui est là, mais j'aimerais bien en avoir un beaucoup plus gros, vraiment un gros qui fasse ça quoi, qui fasse 25 cm, vous voyez vraiment le gros cactus. J'en avais vu un il y a quelques temps à Jardiland il me semble, et il était à 40€, je me suis dit abuse pas quand même, mais voilà, il me trotte dans la tête depuis plus d'un an et demi maintenant, et je pense que je vais finir par craquer parce que franchement c'est quelque chose que je trouve super joli. C'est vachement original dans une maison, je trouve ça super joli, et vous savez moi ma folie cactus du moment, ah, c'est comme ça. Voilà mes petites envies pour le mois de mars. Dites-moi vous en commentaire quelle est votre envie folie du mois de mars. La chose que vous avez trop envie d'acheter et la chose pour laquelle vous allez vraiment craquer parce que c'est vraiment une envie qui vous colle à la peau. Et dites-moi également si vous utilisez Ebuy Club, si c'est quelque chose qui vous vient l'idée quand vous allez sur internet de vous connecter à Ebuy Club pour faire vos achats ou pas. En attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu et mon lien de parrainage Ebuy Club est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller cliquer si vous voulez gagner tout de suite immédiatement 5€. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah !